Tarek Ramadan. Et vous avez la parole. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوات أيها الأخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, le sujet qui nous a été qui a été choisi, c'est celui du rôle de la jeunesse et la compréhension pour la jeunesse de l'engagement citoyen. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est en un propos assez synthétique, puisque nous avons 45 minutes et je vais essayer, pour des raisons d'horaire, de m'en tenir au temps alloué, et bien essayer de réfléchir ensemble à la façon dont on devrait considérer notre engagement en Suisse, sur le plan local, dans notre engagement citoyen, dans notre engagement au niveau de la cité, ici à Genève, dans le canton de Vaud, ou dans le puisqu'ici nous sommes dans l'Union des organisations islamiques de Genève, donc au niveau local, et essayer de comprendre comment les choses devraient s'articuler, comment est-ce qu'on peut donner un objectif, une vision, voire une espérance à la jeunesse. Si vous regardez les différentes études qui sont menées aujourd'hui sur ceux qu'on appelle, ceux qui basculent dans la violence ou dans la violence extrémiste, par exemple, les rapports qui ont été faits sur ceci au niveau européen, il y a un indicateur qui est très très intéressant. Cet indicateur, c'est celui de la frustration et du mal-être. C'est-à-dire que, et c'est très très surprenant, là je reviens des États-Unis où on a eu une rencontre sur la question de l'extrémisme et de l'islamophobie en études comparées, et c'est assez impressionnant, sur 632 vidéos postées sur Internet qui attirent les jeunes vers la radicalité, 7%, 7,3% seulement font référence à une donnée religieuse. Tout le reste parle de l'engagement politique, de la lutte contre la frustration, du fait qu'on n'est pas aimé, et c'est comme ça qu'on réussit à attirer des jeunes sur Internet et qu'on leur fait un lavage de cerveau. Donc on ne passe pas par la motivation religieuse, puisque 93, 93% en l'occurrence sont liés à la psychologie, au positionnement par rapport à la société. Et donc il faut se rendre compte de cela, il faut se rendre compte que de la vulnérabilité d'un certain nombre de jeunes, et ça c'est pour ceux qui peuvent basculer, mais plus généralement ça nous dit bien l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui dans nos sociétés. Alors moi je vais vous surprendre un tout petit peu en disant, en termes d'introduction, que ce qui est vraiment le début de notre engagement citoyen, avant simplement d'avoir compris la société, c'est un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit, il est exactement l'opposé de tout ce qu'on est en train de nous faire vivre tous les jours. En fait, aujourd'hui, vous le savez, vous regardez les reportages qui sont faits sur l'islam. Dans le livre « Le génie de l'islam », je le disais en quatrième de couverture, il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'islam aujourd'hui, et majoritairement, c'est négatif. La représentation générale est extrêmement négatif. Et ça va très loin, puisqu'aujourd'hui, on arrive à des chiffres qui sont de 75%, 75% ou 60% d'opinion négative. Et ça, ça a un impact sur les jeunes musulmans, sur les citoyens de confession musulmane, qui évidemment, ça a un impact. Quand le contexte général est négatif, eh bien, la perception de soi, elle ne peut pas être immédiatement positive. Et pourtant, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est commencer avec cet état d'esprit positif. Et comment est-ce que l'on est positif quand tout paraît autour de nous aussi négatif? Et c'est là que c'est le plus important.
Le plus important, c'est une double disposition. La première des dispositions qui rend les choses positives, c'est que quand on est dans une démarche avec Dieu et quand on est dans une démarche de connexion avec Dieu, on sait que tout ce qui nous est donné de vivre a un sens et que la difficulté, c'est-à-dire après la difficulté, il y a de la facilité, que le projet et la réalité de notre présence en Suisse ou en Europe, c'est lié à des difficultés et des obstacles, mais il faut avoir la vue longue, il faut rester positif en se disant que ce test de la difficulté, ces campagnes médiatiques que nous voyons contre l'islam aujourd'hui, ou contre les musulmans, ou contre les pratiquants, eh bien, il faut de ce point de vue-là se reconnecter et savoir que, même dans notre histoire, l'islam a commencé comme ça. Le prophète, il a commencé comme ça. Il a commencé avec un rejet massif. La première chose, c'est sois patient par rapport à ce qu'ils disent et retire-toi un tout petit peu. C'est-à-dire, reste positif avec le message que tu as et patient par rapport au négatif. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire exile-toi? Ça veut dire sois patient, prends la distance par rapport à leurs attaques et trouve le refuge en moi. C'est-à-dire, c'est avec moi que tu vas réussir à répondre. Le positif, c'est de savoir où chercher la force. Et quand on dit la hawla wa la quwwata illa billah, c'est de comprendre qu'il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu. C'est se protéger de l'agression humaine et faire confiance au pouvoir divin. Et donc, c'est à un moment donné être positif en se disant mais tout ça, ça passera. Ça passera comme c'est passé dans l'histoire, qu'on sera attaqué, qu'on sera insulté, on prend de la distance. Et on prend de la hauteur. Oui. Si les gens pourraient s'attendre à ce que, quand ils vous agressent, vous allez le faire comme ça, hein, le geste du terroriste, vous vous faites comme ça et comme ça. Je prends de la distance et de la hauteur. De la hauteur, je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous répondre, et ça c'est ce qui nous est dit dans le Coran, quand il est dit « وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ الْأَرْضَ هَوْنًا إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا » C'est-à-dire, on prend de la distance, et même quand on va être attaqué, même « عِبَادُ الرَّحْمَنَ » c'est-à-dire ceux qui sont avec les serviteurs du divin, eh bien ils marchent sur la terre avec légèreté, et quand on les agresse, quand ceux qui ne savent pas vont les agresser, eh bien qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « paix ». Alors, ça, c'est une démarche de distanciation, une démarche de patience, et même une démarche etfa, billati hiya ahsan. Fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Répondre de la meilleure des façons. Mais pour répondre de la meilleure des façons, en face du négatif, il faut avoir du positif. Vous ne pouvez pas répondre de la meilleure des façons si le négatif répond au négatif. Comment on nourrit le positif? Eh bien, c'est une vision qui doit être ce lien avec Dieu en se disant ce qu'il veut lui, malgré tout ce que veulent les hommes, si nous sommes des agents de bien dans la société, eh bien ça va se voir, et bien avec le temps, il faut du temps. Et la deuxième des choses qui nous permet d'avoir un sens positif, et c'est d'autant plus difficile pour la jeunesse, c'est que la jeunesse aujourd'hui, il y a deux problèmes avec la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est en face d'un temps instantané. Nous avons habitué nos jeunes à l'instantanéité. Tout va très très vite, Internet ça va très vite, les informations vont très vite, c'est l'ère de la rumeur et des complots et de tout ce qui construit l'idée que ce que l'on a en face de nous, ce n'est pas vraiment la réalité, qu'il y a des forces qui peuvent être derrière Internet, ou alors en l'occurrence, que dès qu'il se passe quelque chose, on n'a plus le temps de l'analyse. Plus vous savez vite ce qui se passe, et qu'il se passe vite beaucoup de choses, moins vous avez le temps d'analyse. Et donc vous êtes dans un temps instantané. Donc vous n'avez plus de recul. Et notre jeunesse, on lui demande la réaction spontanée et pas le recul. Deuxième des choses qui manquent à la jeunesse aujourd'hui, c'est que nous manquons de mémoire. Et la mémoire, c'est ce qui nous permet d'être positif. Ce que je dis depuis longtemps, c'est que la présence musulmane en Europe et en Occident a traverser une révolution silencieuse. En l'espace de deux générations, nous avons fait et réussi des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer.
On parle de la présence des musulmans en Suisse. Essayez de demander à ceux qui vivaient ici à 60 ans comment c'était la communauté musulmane à Genève, comment elle était en Europe. C'était complètement différent, c'était une poignée de personnes qui priaient, c'était des lieux vêtus, c'est comme ça partout. C'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai partout en l'espace de 50 ans. Et pourquoi les gens s'excitent autour de la présence musulmane aujourd'hui? Pourquoi il y a cet élément négatif? C'est parce qu'en fait, contrairement à ce que disent les politiques, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça marche. Mais ça marche pas dans le sens que vous aurez voulu. On a espéré que la présence musulmane avec le temps ferait que les musulmans seraient moins musulmans. Et il se trouve que les musulmans restent musulmans. Et non seulement ça, c'est pas les plus perdus des perdus qui reviennent à la religion, c'est les plus éduqués. Donc en fait, deux choses auxquelles on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à ce qu'ils restent religieux, et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait plus d'éducation et plus de religion. Donc ça, c'était pas dans le plan, ça. Dans le plan, c'est installez-vous, on va s'occuper de vous. Et vous avez peut-être vu récemment Bruckner intervenir dans les médias français en disant en fait, ils nous reprochent de leur permettre, non pas de rester musulmans, mais de se libérer du carcan. Et dans son idée, se libérer du carcan, c'est de se libérer de la foi et de la pratique, d'une certaine façon. Donc, nous, ce qui est important, c'est le caractère positif, l'esprit positif. Et il faut deux choses. Le lien vertical avec Dieu et le lien de la mémoire avec le temps qui passe, en se disant les choses avancent, contrairement à ce... Parce que le discours, vous connaissez le proverbe africain, souvenez-vous-en de ce proverbe africain, si les gens s'excitent, c'est que quelque chose est en train de se passer qu'ils ne prévoyaient pas, on ne lance des pierres à un arbre que quand celui-ci porte ses fruits. Dès qu'il y a quelque chose, la nouvelle visibilité des musulmans, on commence à les attaquer, parce que je dis, il ne faut pas que ça marche. Et on va se persuader que ça ne marche pas par un discours politique qui dit ça ne marche pas, vous n'y arrivez pas, vous ne serez jamais comme nous. Or nous, on est nous et on est comme vous, on est chez nous. Donc le premier élément, c'est une démarche positive. C'est la meilleure réponse à l'agression et au climat négatif autour de nous. C'est la meilleure réponse. Belle patience. On n'est pas pressé, on n'a pas des élections. On n'est ni pour les prochaines élections, ni pour les prochains médias. Les médias parlent de l'instant, les élections parlent de 3 ans, nous on parle de génération. Et notre génération, c'est d'être positif par rapport à ça, en regardant le temps long et en se remettant à Dieu. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut être passif, ça veut dire qu'il faut entrer dans ce débat-là de façon sereine. Sereine. Et quand les gens effarent la dignité à ça, c'est-à-dire répondre de la meilleure des façons. On t'insulte, tu souris. On te critique, tu réponds. Et si on va à l'encontre de tes droits, eh bien tu réponds de la meilleure façon, le droit face au droit. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire, on ne se laisse jamais faire, mais c'est comment on fait, comment on intervient. Ça, c'est un premier élément. Donc, réussir, à l'exemple de ce qu'on a vu du prophète Ressus-Salam, dès le départ, oui, à la 4e révélation, Allah SWT lui dit, sois patient par rapport à ce qu'ils vont dire. Ils vont te rejeter. Les gens de chez toi, ils vont te dire, t'es plus un des nôtres. C'est ce qu'on nous dit à nous. On est chez soi, on est suisse, on a la nationalité, on est né ici, on nous dit que t'es pas chez toi. Eh bien, on y sera par la pensée positive, la pensée confiante et la pensée patiente. Ça, c'est un premier élément. Et donc, prise de distance et prise de hauteur. On prend de la distance et puis on prend de la hauteur un peu. On ne va pas rentrer dans tous les débats qui sont en train de nous présenter comme étant les seuls débats de la société. Et puis, il y a une autre chose qui me paraît importante, c'est comment on s'engage dans ce débat-là. Et là, je vais vous dire une chose, je me suis aperçu d'une erreur méthodologique dans la façon dont moi-même j'avais posé les choses en 1993-94 et ensuite dans le livre « Être musulman européen », où je mettais en évidence le fait que nous étions citoyens et qu'il fallait participer à cette citoyenneté-là. Et je pense qu'il y a un vrai problème dans la façon dont je présentais les choses, c'est qu'il manque un chapitre avant le chapitre de la citoyenneté. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. C'est 3 moments. Une pensée du tout, une pensée du local, et un retour à la pensée du tout. Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est que la pensée du tout pour savoir comment s'engager ici,
quand on est citoyen suisse, comment s'engager par rapport à notre engagement local. Il faut que notre engagement soit local, mais avant l'engagement local, il faut avoir une pensée fondamentale, une compréhension fondamentale de qu'est-ce que ça veut dire avant d'être suisse, que d'être un être humain. Et ça, il faut qu'on le constitue comme un élément essentiel. Avant que je sois suisse, avant que je sois égyptien ou tunisien ou quoi que ce soit, tout ce qui me permettra de lutter contre la tentation nationaliste commencera par me dire « avant, je suis un être humain et je réponds à l'appel du divin en tant qu'être humain ». Ce n'est pas mon passeport qui fait ma dignité, c'est mon humanité. Je vous le dis maintenant, pourquoi ? Parce que ça va avoir un impact sur votre engagement, vous verrez pourquoi je vous le dis. Et donc, cette démarche-là, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit une chose, quand on entend dans le Coran, « Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu » Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et vous avons constitué en nation et en tribu. Nation et tribu est secondaire à l'origine d'un homme et d'une femme qui est la création de tous les hommes. L'unité de Dieu, c'est l'humanité et l'humanité est constituée de nation et tribu, mais l'humanité de tous, elle va précéder la diversité des nations et des tribus, au point que dans le Coran on trouve, voilà pourquoi comme on avait dit Adam, nous avons donné la dignité à l'être humain, avant sa nationalité, avant sa couleur, avant ce qu'il soit riche ou pauvre, égalité. Et ça c'est très important d'entrer dans le monde comme ça. Le monde, on n'y entre pas, dis-moi ta nationalité. Je vous le dis pourquoi, parce que même chez les musulmans aujourd'hui, la caractéristique nationale a parfois la prérogative sur l'appartenance de la communion de foi et de la communion humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour certains, on est plus égyptien, plus tunisien, plus marocain, plus suisse, qu'on est un homme de foi ou qu'on est un être humain. Ça a des caractéristiques. Et donc c'est pour ça qu'il faut se libérer. C'est ça d'abord, il faut avoir une compréhension, d'abord une compréhension du tout. Et ça veut dire qu'on va respecter la dignité de tous. Mais qu'est-ce qu'on va respecter aussi? On va respecter la vie. Parce que la vie, dans la tradition musulmane, est quelque chose de sacré. La vie de l'humain comme la vie de tout ce qui est vivant sur la terre. La création, les animaux, la nature. Dans des situations de conflit et de guerre, le prophète rend attentif le guerrier qui est dans une situation de résistance où il peut mourir. Tu ne résisteras qu'à celui qui essaie de te tuer, mais tu ne détruis pas l'arbre fruitier. C'est-à-dire que cette création, c'est la vie, c'est un signe de Dieu. Vous voyez que c'est une amplitude importante, il faut dire ça aux jeunes, il faut que les jeunes comprennent, n'entre pas comme un petit citoyen suisse avec ton passeport, entre avec ta citoyenneté, avec une compréhension de l'humain, de la dignité humaine devant Dieu. Et ça veut dire le respect de tous les êtres humains dans leur humanité et le respect de la nature et du vivant d'un point de vue général. Et ça veut dire aussi, de ce point de vue-là, que vous comprenez que être avec Dieu, dans cette compréhension-là, ça va être, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, j'espère son amour et je suis au service de tous. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile à qui? À tous les gens. À tous les gens sur la terre. C'est-à-dire, on a une conscience internationale parce qu'elle a une conscience universelle de l'unité de la dignité humaine, de l'unité du genre humain, de l'unité de ce respect que l'on doit et de ce service que l'on doit à tous. Quand on s'occupe des pauvres, on ne demande pas ni la religion ni la nationalité. Quand on s'occupe des pauvres, on ne s'intéresse pas à la couleur ni aux gens, on sert les gens. On est avec Dieu au service de l'humain, au-delà des nationalités, au-delà de...